La Bible dit qu'Abraham s'est vite ici à couper. Abraham s'en va ici. Et Dieu. Moula mi mwimpe, Yeshua jinanga. Moula mi mwimpe, si wewe Yesu. Est-ce que la manière dont tu viens d'acclamer, c'était pour Jésus, pour toi? Mettez l'ensemble de moi. Acclamons Jésus. Regarde ton prochain qui est à tes côtés. Dis-lui que aujourd'hui, là où il t'avait laissé, ils ne te trouveront plus là-bas. Dis-lui, là où on t'avait abandonné, on ne te trouvera plus là-bas. Personne ne te trouvera plus là-bas ou là où tu étais abandonné. On venait chaque fois les laisser au temple pour qu'ils puissent demander les aumônes. C'était chaque matin qu'on l'amenait et on les déposait devant le temple. Mais un jour, ces gens qui venaient souvent les laisser, et lorsqu'ils sont venus les chercher pour les ramener à la maison, ils ne l'ont point trouvé. Ils ne l'ont plus trouvé. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce matin? Alléluia. Amen. On a pu trouver le paralytique. Et nous voyons aussi Jésus. Ils l'ont pris. Ils l'ont mis dans la tombe. Et ils ont mis la pierre. Après troisième jour. Et après trois jours. Et les gens sont venus pour voir. Et personne n'a trouvé Jésus dans le tombeau. La personne qui était assise dans la piscine. Tout le monde venait la guérison. Mais pendant que lui, il est resté pendant plusieurs années. Mais un jour, personne ne l'a trouvé là-bas. C'est pourquoi je te dis, toi là où on t'a laissé, on ne te trouvera plus là-bas, là où tu étais abandonné. Est-ce que je dis à quelqu'un qui vit? Bien aimé, la vie que tu traverses, on ne peut plus te trouver à cette même vie. Ils doivent trouver quelque chose de nouveau. Parce qu'ils l'ont laissé, mais les jours qu'ils ont béni, et ils ont trouvé la personne qui était paralytique, ils commençaient à marcher tout seul. Bien aimé, là où on t'avait abandonné, ils ne te trouveront plus là-bas. Ta vie ne sera plus la même. Si tu crois, c'est là que tu dis Amen. C'est maintenant, bien aimé, je te dis. Ta vie a été touchée par les sangs qui sont de nos parents. Il dit Amen. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de gêner. Mais il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui avance. Alléluia. Amen. Il faut moi la salle de Nyoso. Et il faut que l'enfant de Dieu. Il faut doit se voir tout d'abord son état d'âme.
Et pourquoi ma vie est toujours la même? Tout ce que je fais ne marche pas. À chaque fois que j'essaie de faire quelque chose, j'échoue toujours. Si je vais avancer, il y a quelque chose qui me réclame souvent. Et il faut à chaque fois un enfant de Dieu puisse chercher à savoir. Amen. Amen. Un jour, Dieu a vu l'homme qu'on appelle Abraham. Il fallait que Dieu puisse récupérer Abraham. Il fallait que Dieu puisse opérer dans la vie d'Abraham. Mais d'où vient Abraham? Abraham est né de quelle famille? Il est né dans une famille bizarre. Son père. Son père avait des dieux étrangers qui priaient. Son père était comme un marabout. Mais Abraham dans cette famille-là. Abraham aussi voyait des pratiques que son père faisait. D'une part, Abraham aussi était là pour aider son père. Mais il y a un jour où Dieu est venu dans cette famille-là et Dieu a trouvé Abraham. La première chose que Dieu a demandé à Abraham, qu'Abraham puisse se quitter d'abord. Dis Amen. Pourquoi Dieu a dit à Abraham de quitter? Parce qu'il savait que si j'opère dans ta vie pendant que tu es dans la famille, il y a des réclamations qui seront là en train de te suivre. Mais la première chose à faire, je te sortirai d'abord de la sorcellerie de la famille, de ce pouvoir, pour que tu ailles là où moi je t'enverrai. Parce que là où tu iras, c'est là où moi, Dieu, je te ferai ce que tu seras. Dis Amen. Nous allons lire dans le livre de Genèse 11 pour comprendre l'histoire. Genèse chapitre 11. Le verset 29 jusqu'au 32. Je vais lire la parole du Seigneur dans le livre de Genèse chapitre 11. Le verset 29 jusqu'au 32. Abraham et Nachor se marièrent. La femme d'Abraham s'appelait Saraï et la femme de Nachor, Milca. Elle était la fille d'Aran, qui était le père de Milca et de Jiska. Saraï était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Terach prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, qui était le fils d'Aran, et sa belle-fille Saraï, la femme de son fils Abraham. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour se rendre dans le pays de Canaan, mais arrivés à Charan, ils s'y installèrent. Terah vécut 205 ans, puis il mourut à Charan. Alléluia. Tobé, tu dis ça, mais bon. Nous acclamons Dieu. Quand Dieu a appelé Abraham, Il fallait que Abraham sorte dans son origine, dans sa source. Abraham, il n'est pas sorti tout seul. Abraham est sorti avec son père. La destination était quelle? Était d'aller à Cana. Abraham a parti avec son père. Ils sont arrivés à Charan et ils se sont arrêtés là-bas. Ils se sont installés là-bas. Mais la Bible dit que la destination c'était Cana. Ils se sont installés et l'histoire avait continué. Et Abraham avait continué sa vie avec ses parents. Il menait une vie normale. Mais ce n'était pas ce que Dieu avait promis à Abraham. Là où Dieu avait dit à Abraham d'aller, Abraham n'était jamais allé. Jusqu'à ce que le père d'Abraham est mort. Et c'est par là que Dieu est apparu encore à Abraham. Dieu lui dit, c'est le moment de quitter pour aller maintenant là où moi je t'envoie. Pourquoi Dieu a attendu que le père d'Abraham puisse mourir pour qu'il puisse intervenir? Parce que jamais les ténèbres ne peuvent vivre avec la lumière.
Ceux qui ont vivre dans la carte ténèbres. Bien-aimé, si tu vis dans les ténèbres, tout ce que tu feras ne marchera pas. Alléluia. Amen. Amen. Dieu a enlevé Abraham. Il a dit à Abraham, ton père est mort. Et maintenant, c'est toi qui dois partir. Abraham a écouté. Et il est parti. Il est parti. Genèse 12. Genèse chapitre 12, le premier verset. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Abraham Zambaye Kolobela Elisus. Dieu dit à Abraham. Cette fois-ci, Zambaye dit à Abraham. Et cette fois-ci, Dieu va dire à Abraham. Il faut que tu partes. Mais Abraham ne savait pas là où il partait. Comme il avait écouté la voix de Dieu, il a obéi. Abraham est parti. Avec sa femme. Avec son cousin Lot. Ils ont continué la marche. Et ils partaient. Pendant leur chemin, Dieu continuait à parler à Abraham. Et Dieu a donné des promesses à Abraham. Dieu lui a dit que je te bénirai. Avant que je te bénisse, tu dois quitter d'abord dans la maison de tes parents, dans ta famille et dans ta patrie. Pourquoi Dieu a dit à Abraham de quitter? Parce que la famille d'Abraham avait des choses qui n'étaient pas bonnes. Nous voyons dans cette famille-là, il y avait une forte puissance de la sorcellerie. Il y avait des liens qui régnaient dans cette famille-là. Mais devant Dieu, avant que Dieu puisse bénir Abraham, Dieu a demandé d'abord à Abraham de commencer par quitter les sortures de ses liens. De sortir de cette mauvaise distance pour voir la gloire de Dieu. Il faut que toutes ces choses puissent se quitter. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens. Ils vivent ici en Europe. Mais sa vie est dans sa famille. Tout ce qu'il veut faire, il cherche d'abord à consulter sa famille pour dire si je peux faire ou ne pas faire. C'est ce que Dieu avait refusé à Abraham. Parce qu'il savait que tout le temps Abraham allait rentrer. Parce que c'était un lieu qui les réclamait. Les lions de la famille les réclamaient. Et il faut que Dieu commence d'abord à briser ses liens pour que sa vie soit libre. Dieu a donné la promesse à Abraham que je te bénirai. Je te rendrai grand. Mais tout ce que Dieu a dit à Abraham, et avant qu'Abraham puisse vivre cela, c'était vraiment difficile pour qu'il vive cela. Bien-aimés, nous avons des promesses de Dieu dans nos vies. Nous avons des choses que Dieu a parlé pour nous. Mais pourquoi nous ne vivons pas ces promesses? Gédéon dit, si Dieu existait, où sont les prodiges qu'il avait promis? Quand nous sommes nés, on nous avait dit qu'il y a un Dieu qui avait délivré le peuple Israël. Il leur avait promis des choses. Mais où sont ces promesses que Dieu a promis à son peuple? Ils n'ont pas vu cela. Pourquoi? Parce qu'il y avait des choses qui empêchaient. Pour qu'ils puissent voir, la promesse de Dieu se réalisait. Abraham a quitté. Il est parti avec Lot. Il est parti avec Lot. Et pendant leur parcours, et ils se sont chamaillés entre les travailleurs de Lot et les serviteurs d'Abraham. Abraham était déjà béni. Abraham, c'était quelqu'un qui avait la richesse, qui était béni. Alléluia. Mais arrivé en route, Dieu a dit à Abraham, si tu veux que je puisse t'utiliser,
Sépare-toi de Lot. Parce que n'est-ce pas dit. Parce que la manière dont ça commence, ça va vous finir très mal. Vous devez vous séparer. Vous devez vous séparer. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si Abraham s'est séparé de l'autre, pourquoi nous ne voulons pas nous séparer avec des choses qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce matin? Je m'adresse à quelqu'un. Pourquoi tu es toujours Kabouane? Pourquoi on ne veut pas se séparer avec des choses qui nous empêchent de vivre la gloire de Dieu? Nous avons la promesse de Dieu en nous. Dieu nous a promis que nous serons bénis. Jésus est venu devant la tombe de Lazare. Et Jésus dit à Lazare, sors. Quand Lazare est sorti, Jésus est parti. Et c'est maintenant les hommes de réaliser, de délier Lazare pour que Lazare puisse marcher. Pourquoi nous ne voulons pas nous délier? Pourquoi nous ne voulons pas chercher la délivrance dans nos vies? Nous venons à l'église et nous rentrons de la même manière. Nos vies ne changent pas. Nous devons rentrer en nous. D'où venons-nous? D'où venons-nous? Alléluia. Amen. Tous ont servi ensemble. Nous servons Dieu. Mais il y a des réclamations dans nos vies. Il y a des pouvoirs qui nous réclament nuit et jour. Jésus a dit à Pierre le matin. Dans cette nuit-même, le diable est venu pour te réclamer. Et Pierre qui va dire, Jésus, moi j'étais endormi à côté de toi. Comment ça, Satan va me réclamer? Et Jésus a dit, oui, j'ai intercédé pour toi. Et les jours que tu seras converti, tu feras quoi? Tu vas enseigner tes frères. Bien-aimé, nous devons chercher la délivrance dans nos vies. Il est nécessaire que les liens qui nous réclament dans les familles soient. Si ces liens-là tombent, nous allons vivre la gloire de Dieu. Si les liens-là ne tombent pas, nous allons commencer à rentrer dans les mêmes choses, au début toujours. Abraham s'est séparé de Lot. Il a dit à Lot, je te dirai une chose, tu es mon éloigné de lui. C'est pourquoi je disais au début, là où on t'avait abandonné, ces gens-là ne te trouveront plus là-bas. S'ils continuent à te trouver là-bas où dans le besoin de ton enfant, c'est parce qu'il y a encore l'autre. Et le courage de te séparer de l'autre pour vivre la gloire de Dieu. Si l'autre ne part pas, tu continueras toujours là-bas. Bien-aimé, chacun sait là où il vient. Nous savons très bien d'où nous venons. Et nous savons d'où nous sommes nés. Alléluia. Quand Dieu est sorti à Abraham, nous sommes dans le livre de Genèse. Lorsque Abraham lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, marche devant moi et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Je te multiplierai considérablement. Abraham tomba le visage contre terre et Dieu lui dit, voici, quelle est mon alliance avec toi? Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Acclame d'abord ton Dieu. La première chose que Dieu a demandé à Abraham, c'était quoi? Sois un. Si tu veux vivre la gloire de Dieu, il faut être intègre. Pas devant les hommes, intègre devant Dieu. La Bible dit qu'Abraham s'est vite ici à couper. Et Dieu de faire une alliance avec toi. Avant de faire l'alliance, il faut identité ça, la vie. Il faut que je change ton identité. Parce que notre identité n'a pas encore changé. Il voulait changer l'identité. Il a dit, on te connaissait Abraham
On t'appellera Abraham. Là, Abraham, il était par terre, il était à genoux. Il faut ça va changer notre identité. L'identité n'a plus ce qui est changé. Ton identité, si ça change aujourd'hui, c'est par là que tu vivras la gloire de Dieu. C'est par là que tu verras tout ce que Dieu t'a promis. Tu seras toujours dans les réclamations. Viendra pour te réclamer. Même si tu es bishop, prophète ou qui, les vont te suivre. Que nous puissions rentrer des fois dans nos familles, d'être né dans une famille. Le grand-père, il est né dans le même, dans la même puissance qui était dans la famille. Et quand nous sommes nés aussi, nous sommes aussi nés dans la même puissance. Ça a régné en nous. Parce que le sang de nos parents, c'est le sang qui est en nous. Mon père, il était impudique. Il avait une vie. Et aujourd'hui, pendant que nous sommes là, on écoute des fois, oh, on a vu ton frère. Mais quand nous avons connu Dieu, la première chose que nous avons fait, c'était quoi? Les choses que papa avait fait, nous ne pouvons pas faire cela. Et quand j'ai commencé à grandir, ce que je faisais là, c'est toujours ce que mon père faisait. C'est les mêmes choses que moi aussi je suivais. Mais quand j'ai connu Dieu, j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. J'ai commencé à servir Dieu. J'ai prié pour les gens. Mais la publicité ne m'abandonnait pas. Il était avec moi comme une costume. Je pouvais même me tenir devant la chair. Je prie. Je prie pour les gens. Les gens sont guéris. Mais il y avait une chose que je n'arrivais pas à me séparer avec. Bien aimé, des fois je partais, je fais mes ambiances. Je fais aussi n'importe quoi et puis je reviens sur la chair. Mais après avoir fait l'impudicité, nous voyons dans la famille d'Abraham, ils se sont mariés entre eux. Abraham a eu Sarah. Sarah, c'était sa famille et il a épousé Sarah. Et nous voyons le lion qui est descendu à Isaac. Et quand Isaac a grandi, la première chose qu'Abraham, Dieu avait interdit à Abraham, c'était: en aucun jour tu pourras rentrer dans ta famille. Avant que Isaac puisse se marier, Abraham est rentré encore dans sa famille. Il a dit à Eliezer, va dans la maison de mon père, va chercher une femme pour Isaac. Pour qu'Isaac puisse se marier. Mais Dieu avait dit à Abraham, sors de ta famille. Mais comme le lion a été ma fort, le lion a réclamé Abraham jusqu'à dans sa famille. Ils ont pris Rebecca. Et ils ont ramené Rebecca pour Isaac. Isaac était avec Rebecca. Isaac, ma grand-mère, maman a yé. Isaac, c'était sa mère. C'était sa mère voyait avant qu'elle puisse rentrer. C'est la même chose aussi que Rebecca vivait. Isaac cherchait à avoir un enfant, mais il n'a pas eu d'enfant. Parce qu'il y avait un lien qui avait commencé avec la maman. Qui est descendu à Rebecca. Amen. Bien aimé, nous devons chercher la délivrance. Même si nous avons le titre, si on ne cherche pas la délivrance, on va commencer à tourner en un même lieu. On va chercher à avancer, mais il y aura quelque chose qui va nous arrêter. À chaque fois, si je me retrouve avec un prophète, on me parlait plus que Dieu ne t'aime plus. On me disait toujours abandonne l'impudicité. C'était pas facile. J'ai fait les efforts pour sortir de ce monde-là. Mais c'était difficile.
Mais d'abord, c'était en 2011. Je me souviens, c'était en 2011. 2007, na tiki ba parents. 2007, quand j'ai laissé mes parents. Tellement qu'il y avait des choses qui s'est aggravées dans la famille. Et je me suis dit, c'est le moment de quitter. Mais j'avais quelque chose que j'avais peur en moi. De laisser ma petite sœur. Parce que je savais, si je le laisse, elle restera pour faire tout. Parce que la maman qui est avec nous, elle ne nous aimait pas. Je m'ai fait la grâce. J'ai trouvé une famille où on priait ensemble. Comme il m'aimait beaucoup, avant que je puisse partir, je l'ai redit. Je n'ai rien pour vous donner, mais je veux vous demander une faveur. J'ai ma petite soeur. Je ne vais pas. Mais je veux que vous puissiez prendre soin d'elle. Moi, je m'en vais. Je ne vais pas revenir. J'ai commencé à rester à s'asseoir. Je voyais ma propre soeur. Elle restait dans la rue. Si je passe, ma soeur me suit. Elle montre aux gens. Lui là, c'est mon grand frère. Mais elle était frasère. Et mon père, il était vivant. Il travaillait, il faisait tout. Mais son fils, sa fille, était dans la rue. Une autre chose que j'avais fait, je me suis dit, je ne vais pas partir parce que mon frère est dehors. Nous devons faire tout pour faire rentrer Yves à la maison. Même s'il ne va pas rentrer à la maison, mais qu'il soit quand même dans un endroit. Dieu a fait la grâce. Mon frère est assis. Et ils ont pris la charge de ses études. Après, il s'est marié. Quand il s'est marié, j'ai dit à ma sœur que nous devons récupérer Yves. On ne peut pas laisser Yves dehors. Il m'a dit, je lui ai dit, je connais les hommes de Dieu. Comme on a dit que Yves c'est un sorcier, on les récupère. Nous allons prier pour lui. Que Dieu, si il a la sorcellerie, Dieu va les aider. S'il n'est pas sorcier, l'essentiel que notre petit frère puisse rentrer à la maison. Nous avons fait cela. Dieu nous a aidés. Et il est rentré à la maison. Mais quand notre frère est rentré à la maison, notre père et notre mère, qui avaient chassé les petits frères, c'est le même Yves qui a commencé à les prendre en charge. Si tu touches maintenant Yves, c'est comme si tu as touché notre père. Si tu parles avec Yves, il te chasse à la maison. Mais le jour que Yves a trouvé Jésus, papa est devenu fan de Yves. Si il ne voit pas Yves, il ne sait pas comment on peut faire. Mais d'où venait Yves? Il était dehors. Mais Dieu d'Israël avait fait Yves grâce. Il a ramené Yves à la maison. Bien aimé, nous avons un Dieu qui est tout puissant. Tout le monde sait là où il vient. Ce lien-là peut être rempli même à la dernière minute, si tu crois. Dieu est capable de te délivrer, de te faire sortir de cette situation. Hier, nous avions manqué. Hier, nous sommes marchés dans le mal. Mais quand nous avons eu la conscience, je me suis dit non, c'est le moment d'abandonner cette vie. Quand j'ai eu la conscience, une fois je travaillais avec une maman. Maman Foncine m'a dit, Guylaine, tu as la chose de Dieu en toi. Mais une seule chose qui gâche tout. J'étais à chaque fois que je sortais, quand je reviens, la maman m'a dit, mon fils Guylaine, tu as encore fait cela, tu reviens encore à cela. Mais une fois, la maman m'a dit, elle m'a dit, tu vois la maison là où on construit, je vais t'acheter une cuve. Tu iras là-bas pendant 3 jours.
Je t'enfermerai avec la clé. Je viendrai ouvrir. Le jour que Dieu va me dire, si Dieu ne me dit pas, tu resteras là-bas. Tu dois chercher ta délivrance. Parce que la chose de Dieu t'amènera loin. Je ne m'ai jamais accepté. Je fais 2 semaines dans la cave pour chercher Dieu. Pour chercher Dieu. Et après, quand je suis sortie, la maman a prié pour moi. Ils ont chassé les esprits. Et c'est en ce jour-là que ma vie a été délivrée. Une semaine, 1 mois plus tard. 1 mois après, Dieu m'a aidé. Et je suis là, ce que je suis. Tout le monde qui me connaît, s'il m'appelle, il me demande toujours, tu as abandonné cette vie-là? Je leur dis souvent, je ne fais plus partie de cette vie-là. Parce qu'ils me connaissaient. Moi, tu ne peux pas me laisser ta femme. J'ai dit ça. C'est comme si tu me les donnes. Mais aujourd'hui, je ne suis plus là. Je suis devenue évangéliste. On attend le conseil. Quand je suis venu comprendre que c'est un lieu qui me réclame, c'est le moment de chercher la délivrance. J'ai cherché la délivrance et Dieu m'a délivré. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, là où on t'avait laissé, on ne va plus te trouver là-bas. Là où on m'avait laissé, il ne me trouve plus là-bas. Je suis aujourd'hui ce que je suis. Et ça a l'air de prier pour l'amour. Des fois, tu pries pour les gens. Message. Tu donnes un message. Quand tu termines, la personne te dit. Il n'y a rien. Toute personne, lorsque je prie pour lui, la seule chose qu'il me dit, avec ce que tu parles, ça n'a pas de rapport. Parce que c'est lui qui est en moi. Avec les faiblesses, Dieu est en train d'agir. Nuit et jour, je cherche la délivrance. Je vis dans la repentance jusqu'à aujourd'hui. Même si je vais prendre, quand je rentre, je sais qu'un jour Dieu va me dire, le mariage n'est plus là. Dieu m'a dit, c'est bon, tu veux te marier. Aujourd'hui, nous prenons en rang sans Dieu. Tu peux prendre la délivrance de la colère. Cette chose-là est partie. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes les fils d'Abraham. Tout ce qui était des ténèbres de son père a disparu. Il faut que ça disparaisse de nous. Et devenir ce que Dieu veut que nous soyons. Je vais parler à quelqu'un. Quelqu'un m'a conclu. Depuis où tout? Depuis la nuit. Malade. J'étais endormi. Je voyais comme dans une vision. Le pasteur Johnny et moi. Nous avons prié pour notre papa. On était en train de prier pour papa Alain. Quand tu sois prié pour papa Alain. Quand on priait pour papa Alain. Papa dit. Papa dit. Aïe. Il est venu. Tu s'en as trouvé encore 3 personnes, tu sois prié pour papa. Nous sommes réunis 3 personnes, nous étions en train de prier. Ça, la prière pour papa, ils avaient une délivrance à papa Alain. La prière qu'on faisait, c'était comme une délivrance pour papa Alain. Quand on s'est ici en haut. Quand on a fini. Maman a vu papa dit abandonné. Et après je dis, papa dit en train de pleurer. Papa dit commençait à pleurer comme s'il y avait ce chrétien qui est mort. Nous sommes restés avec le pasteur pour regarder. Il pleure pourquoi? Après le Saint-Esprit, mais il dit, tu vois comment il pleure? Il est et il a vu qu'il s'est éloigné de Dieu. La prière c'était pour papa Alain. Dieu a ouvert les yeux à papa Guy. Dieu est là. Bien aimé, la manière dont nous venons à l'église, on vient chercher personne.
Quand tu viens à l'église, dis que je suis allé chercher ma délivrance. L'église est comme l'hôpital. À l'hôpital, on a plusieurs maladies. Il y a des gens qui oublient les choses qui sont venus chercher à Dieu. Il commence à observer le frère, comment il s'habille, comment il vit. Entre temps, la personne sait très bien qu'il est malade. Au lieu qu'il cherche sa délivrance, il oublie. Et quand l'autre personne sera bénie, il va les haïr. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Qu'est-ce qu'il veut nous parler? Les liens de famille sont très forts. Mais Jésus est le Tout-Puissant. Il est capable de briser les liens. Il est capable de renverser les liens. Mon père, il est mort chrétien. J'ai vu mon père en train de faire 7 jours à 7. Je me disais, cette personne qui était quand il entre à la maison, vous dispersez. Nous avions eu un père très bizarre, très compliqué. Quand tu es là, tu dis que j'irai demander papa l'argent, mais quand tu arrives, tu commences à demander. Quand il prend ses lunettes, il verse. Même si tu avais des choses à parler, tu lui dis non, papa, je cherchais une chose. Juste quand il met ses lunettes, il baisse ses lunettes, tu as peur. Mais un jour, il a changé pour Dieu. Aujourd'hui, son âme repose en paix. Si je connaissais Dieu à votre âge, je ne pourrais pas être ce que je suis. Le jour qu'il était sur le lit pour mourir, avant de mourir, il m'avait dit une chose. Je n'ai rien à vous laisser. Je vous laisse à Dieu. Si je vous ai fait du mal, pardonnez-moi. Mais une chose, je vous demanderai. Attachez-vous. Il va faire des grandes choses. C'est ce que nous sommes. Aujourd'hui, le pasteur est marié. Aujourd'hui, nous avons notre vie. J'ai vu mon frère mourir. Il sortait des couloirs de la maison. Il y a eu les coups de tonnerre qui sont tombés sur lui. Et ça l'a ramené. Et ça l'a jeté quelque part. Et le tonnerre, là, il est parti et il a écrasé l'arbre. Quand je regarde sa vie, j'ai dit, j'ai vu ma vie. Il a pris des bidons d'essence. Il mettait dans le tonneau. Là où il y a eu des flammes de feu. On ne savait pas là où. Vous avez vu les citernes, comment tout le monde s'est brûlé, mais là le feu il est sorti d'un coup, ça pouvait même les brûler le visage. Mais si tu as la promesse de Dieu en toi, tout ce que le diable va chercher, il ne pourra pas faire parce que la promesse va se réaliser. Il pouvait aussi mourir. Mais pourquoi il n'est pas mort? Pourquoi Dieu a attendu à Abraham à 100 ans? Pourquoi il lui a dit d'être intègre à sa face? Parce qu'il y avait beaucoup de choses qu'il allait délivrer à Abraham. Que Dieu vous bénisse. Et tu te vois, je dois donner ma vie. Je dois m'abandonner à Dieu. Je suis fatigué de cette vie. Dieu a besoin de toi. Tu vois comme si dans ta vie, tout ce que tu fais ne marche pas. Il y a un lien qui te réclame. Mais aujourd'hui, Dieu t'a parlé.
Tu es en ce lieu. Tu n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais aujourd'hui, tu as écouté la parole de Dieu. La grâce est là pour toi. N'endurcis pas ton cœur. Dis d'abord merci à Dieu selon sa parole. Remercie Dieu. Tu as écouté la parole de Dieu. Tu te vois. Tu te retrouves dans cette parole que nous venons de parler. Si tu es là, tu viens devant. Nous allons prier pour toi. Si tu vois que tu as envie de suivre Dieu, de donner ta vie à Dieu, n'aie pas peur. Viens devant. Zambe akinanga e Osa izambe Yawe no kongwani